Bonjour, moi c'est Sarah Ruffier, je suis originaire d'Orléans en région centre et je suis actuellement en dernière année d'école d'ingénieur à l'ISTP en spécialité génie industriel. J'ai fait un bac S suivi d'un DUT mesures physiques à Blois et puis j'ai intégré ensuite l'ISTP. Du coup l'ISTP c'est un parcours qui va permettre à la fois de suivre un cursus scolaire et de continuer à apprendre des connaissances théoriques et également un cursus en apprentissage où là on va vraiment monter en compétences dans l'entreprise. J'ai toujours bien aimé les sciences en général au lycée et puis du coup c'est pour ça que je me suis orientée en DUT mesures physiques. Et j'ai également baigné dedans depuis toujours parce que dans ma famille on est un peu dans ce milieu-là aussi. Et puis c'est aussi un secteur où il y a peu de filles donc je me suis dit que c'était important aussi de montrer qu'on peut être là dans l'industrie, en génie industriel, dans la filière ingénieur. Déjà pour commencer l'industrie, il faut arrêter de penser que c'est une usine sale, etc. Maintenant les usines elles sont hyper modernes, c'est en constante évolution. Et du coup je fais mon alternance dans le groupe Atlantique à Orléans où je suis en apprentissage en recherche et développement. Donc en fait, je fais à la fois de l'innovation, du bureau d'études, du laboratoire. Donc j'ai vraiment un panel hyper large au niveau projet, au niveau montée en compétences. Et du coup, c'est hyper intéressant. Là, au début, c'est sûr qu'il faut se faire une place. Mais après cette place faite, finalement, ça va être beaucoup plus facile de se faire remarquer en tant que femme, de se faire reconnaître. Et puis, il faut savoir qu'en entreprise, on manque encore un peu de femmes, donc n'hésitez pas à venir dans l'industrie, parce que c'est vraiment important de représenter cette mixité au sein des entreprises. Je conseille vraiment l'alternance à tout le monde, donc n'hésitez plus et foncez !